Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude durant la Ligue Osiris, c'est vendredi et le vendredi on parie. Alors oui, on sait déjà Blindax, mais session de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas suivi les pronostics depuis le début. Honte à vous les amis. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les tutos, bref, tout est sur le Discord. Alors ça ne sert à rien de se précipiter et d'essayer de saisir ce petit code, hein, évidemment. Il a déjà été utilisé, mais regardez, vous pouvez vous inscrire avant de parler Paris sur le nouvel événement collaboratif, un spécial Rock Musée National Romain. Alors, de mon point de vue, je trouve ça totalement éclaté, mais je suis sûr que certains vont surkiffer et s'inscrire dessus. Faites-vous plaisir, les amis, et puis vous m'en raconterez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si, ou sur le Discord si vous êtes amené à gagner. Et d'ailleurs, en parlant de Discord, la vidéo c'est aujourd'hui 18h, mais sur le Discord, les ajustements comme d'habitude le samedi pour les pronos, pour à chaque fois essayer d'aller gratter un petit peu plus. On va parler aussi migration et méga KVK après ces pronos les amis, puisque il n'y a que 4 matchs et peut-être les derniers matchs pour certaines finales. Si toutes les finales se plient là, ça sera la fin de cette saison 8 et on passera très rapidement au prono pour la grande finale avec les grands Auric. Alors je vous répète tout le temps ce nom, j'espère que ça reste le même et que ce sera bien celui-là. Normalement, œil pour le talent, hein, vous êtes bien, on continue de parier sur les mêmes, mais on ne peut plus. Les paris sont terminés, on ne peut pas mettre davantage de pièces sur les 93T, j'en ai encore deux en stock, hein. C'est dommage, on peut vous parier que jusqu'au premier tour, donc 140 pièces. Normalement, ils vont désintégrer les 16 OT. On devrait être bien sur Attrait de l'Or, hein. Vous êtes mis bien. Normalement, encore une fois, si vous avez suivi les pronos depuis le début, vous devriez avoir au moins 6000 auric et le store totalement vidé au niveau de ce qu'on peut acheter avec des auric. Bien évidemment, regardons donc ce premier match, 93T, 16 OT. Alors évidemment, la contre-cote est une dinguerie. On a un fois 1000, on a un fois 12, 13, 14, 15. Il y a une contre-cote de presque 16. Elle est vraiment insane. On le voit, les 93T ont désintégré les 16 OT. Est-ce que les 16 OT peuvent créer la surprise et faire un comeback de ouf sur ce match en apprenant de cette défaite, etc. Franchement, l'écart était tellement important au premier match qu'à mon avis, ils n'ont strictement aucune chance. On ne va pas parier sur ce match, sauf si vraiment on n'a rien d'autre à faire. Deuxième domaine, domaine d'Anubis. Et là, c'est extrêmement équilibré suite à la victoire que je vous ai commentée. Je vous ai fait un record, hein. Des 489, certains se disent peut-être qu'il peut y avoir un sursaut des 60 GT. Eh bien, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Mais c'est peut-être pas la cote la plus intéressante. Domaine de, pas de Sobek, de Bastet. D'abord, 748 W, 34X. On a une contre-cote intéressante. Hein. On est en x5 pratiquement, x4 et quelques 4,5. 748 W, ont battu, mais plutôt juste, hein, les W34X au début du match. Hein, les W34X ont bien tenu, mais ils se sont fait dépasser sur la fin. Donc là, je trouve cette contre-cote très largement injustifiée. Et pour finir, domaine de Sobek, on a quasiment la même contre-cote. Hein, un peu plus de x5 cette fois, 27 WP face au F12. 4000 d'écart, même pas 3600 d'écart lors du match, hein, malgré un joueur de moins. Et là, ce qui est intéressant à noter, c'est que les F12 ont mené durant un certain moment dans le match, hein, et pas mal de moments au début. Le premier tiers, ils menaient les F12. Donc, le domaine de Sobek et le domaine de Bastet, si vous n'avez pas encore plié le store, c'est le moment de prendre les paris. Ils vont rien lâcher, ils vont bien évidemment tout donner. On a 6125, on va dire qu'on a tous 6000. Pour le coup, je vous propose de parier sur deux matchs. Le premier, les W34X, hein,
Si on met 3000 et qu'on gagne, eh bien, alors on va récupérer la trade l'or. Tac, si on met 3000 et qu'on gagne, retourne la mise en ligue, retourne sur le domaine de Bastet. On va récupérer 4 fois notre mise, donc on va récupérer 12000 plus ces 3000. On récupère 15000. Si vous n'avez pas encore plié le store, les 15000, vous serez bien, ça vous permettra de bien finir. Le domaine de Sobek, la même, on va parier sur les F12 et on met tout ce qui nous reste. Les F12, s'ils sont amenés à gagner, on récupère un peu plus, on va récupérer un peu plus de 18000, quasiment 19000 si la cote ne varie pas. Hein. Je pense que ça va remonter pour les F12 comme ça va remonter pour les W34X. Pourquoi ? Deux raisons. Beaucoup de joueurs parient le samedi à la dernière minute hein, et surtout chaque fois que je publie mes paris, eh bien ça fait varier les cotes. Vous êtes très nombreux à les suivre, les amis, bien plus nombreux. Je soupçonne des screens qui circulent, hein, bien plus nombreux que ceux qui peuvent juste commenter cette vidéo. Donc n'hésitez pas, les amis, à lâcher un com. Ça fait toujours très plaisir. Voilà pour les pronos, plutôt simple, plutôt propre. On se concentre sur Bastet et Sobek, les deux en contre-cote. Et il y a une réelle chance de victoire. Vous avez très largement plébiscité, il est sympa ce mot, pour des vidéos où je vous record le match et je vous le commande sur la stratégie. Vous avez vraiment apprécié vendredi dernier quand je vous l'ai fait, enfin cette semaine quand je vous l'ai fait sur le record de dimanche plutôt dernier. Je vais en refaire de même ce week-end et je vous commenterai l'un des deux matchs. Hein. Je vais voir forcément soit les W34, soit les 27 WP. Je pense que ça sera celui des W34 qui me paraît être vraiment le plus serré des deux. Et là où on peut vraiment avoir une victoire, même si la contre-cote est un tout petit peu moins bonne, ça va être intéressant à suivre. En parlant des choses à suivre, les amis, si vous avez raté la méga info du dévoreur de monde, Baba, regardez notre ami Baba, où se trouve-t-il à présent ? Il se trouve sur le 24-29 chez les S2S. Est-ce que ça veut dire que les S2S vont périr? Est-ce que c'est la fin du 24-29? Est-ce qu'il va se faire désintégrer ce royaume? Écoutez, à ce stade, on n'en sait rien. Mais rappelez-vous cette vidéo que je vous ai fait il y a 3 semaines. Tous les royaumes où notre ami Baba est passé, eh bien, ils ont tout simplement trépassé. Même les très puissants JWM, pour ceux qui s'en rappellent à l'époque, les JWM se sont fait désintégrer. Allons tout de suite voir donc ce que donnent les S2S à présent sur le 24-29. Est-ce qu'ils ont également récupéré Ekrem Abi ou est-ce qu'ils ont juste récupéré, juste c'est déjà pas mal, hein, Baba, un énorme joueur S2S, on clique dessus, tac. Ils sont à présent à 18 milliards de puissance. Tu m'étonnes, quand tu prends un joueur qui pèse 1 milliard, tu montes tout de suite. Qui a-t-on alors? Regardons s'ils ont Ekrem Abi et Baba ou juste Baba. Bon, déjà, ils ont des très gros joueurs. Ils ont Bighty Cyborg, 694 millions. Ça brûle, 694 millions. Mais le mec, il est passé de numéro 1 en puissance du royaume à numéro 2, voire numéro 3. Regardons s'ils ont plus que lui. Ils ont pas mal de joueurs à plus de 100 millions, bien évidemment, pour être à 18 milliards, c'est obligé. 223 millions pour Gurico GP. Est-ce qu'on en a d'autres des très gros? Clubman, 224 millions. Je vous le rappelle, tant qu'ils sont au-dessus des 150 millions, eh bien, leurs points ne comptent plus. 237 millions pour un nom illisible. Qui a, on a MC Nuggets Barbecue. Peppa Pig Q8, 506 millions, ça fait du lourd. Notre ami Peppa, lui aussi, hein, il a dû baisser d'un cran avec l'arrivée de Baba. On continue, ça se trouve, il est parti dans une sub après Baba. On continue, est-ce qu'on va le trouver ici? 105 millions, ça m'étonnerait qu'il l'ait mis R2, Baba. De toute façon, il, comme d'habitude, ah si, il est R2. Baba est ici, 1 milliard R2 donc. 216 millions, ça brûle de ouf. Est-ce qu'on a Ekrem Abi quelque part ou que Baba pour le moment? À mon avis, on a que Baba. Est-ce qu'il a ramené ses farms également? S'il les a ramenés, il serait chez H2H, je pense. Non, 2 milliards de chez H2H, c'est pas suffisant. Et chez B2B, B2B, est-ce qu'on a d'autres, hein, back-to-back, hein? Non, on a aussi peu de puissance, donc les farms de Baba ne sont pas encore là. Très gros royaume à présent avec ce mercato
du côté du 24-29. Mais encore une fois, méfiance partout où Baba est passé. Hein. Le royaume a été désintégré, vraiment, littéralement. La liste est extrêmement longue. En parlant du 24-29, regardez cette discussion entre Peppa Pig et Mr. Hobbs qui ont l'air de se mettre d'accord pour se rencontrer lors du prochain KVK, les GV77, face le 23-77, donc face au S2S du 24-29, un énorme choc. La dernière fois, c'est les GV77 qui avaient gagné. Cette fois, peut-être que les S2S auront leur revanche, surtout avec leur nouvelle recrue. Ou est-ce que ce sera la fin du 24-29? Comme je le disais sur le Discord, Baba a peut-être zéro plus de royaumes en migrant dessus que lors de ses différents KVK. C'est assez énorme. On passe donc à l'énormissime KVK du moment. Vous allez le voir, vous le savez, on a un KVK vraiment de dingue, celui du 10-93. Il a ouvert ses portes depuis un petit peu plus de 2 jours. Alors évidemment, 10-93-1 et pas le 2 ou le 3, même s'il y en a d'autres qui sont intéressants. Regardez, on parle que du -1, mais le 10-93-2 se retrouve aussi avec le 18-46 en Imperium, le 19-60-3 pour le coup, le 18-18-2 et le 11-88 et le 24-89. En fait, leurs subs hein, se retrouvent exactement ensemble comme leur main ici. Hein, on a le 89-3 qui est avec le 60-2 et le 93-3 aussi. Bref, tous ceux qui sont des très gros royaumes hein, se retrouvent ensemble, mais c'est là que c'est intéressant. Le 89 a été capable de sortir 3 alliances, hein, 3 groupes de 900, le 60 aussi, le 93 aussi, c'est les 3 seuls à avoir pu sortir 3 groupes dans le méga Imperium. Et malgré tout, Lilith a mis le 60 et le 89 ensemble, ce qui montre que clairement le matchmaking est totalement éclaté. Dans les infos qu'on peut constater également, je vous avais dit, on avait sur le côté là, hein, on avait le 11-88 en jaune qui n'était pas Imperium. Il l'est de nouveau et le 18-18 qui balançait entre Imperium par Imperium, il l'est aussi à présent. On a bien notre groupe de 6 Imperium suite au pré-KVK et à l'étape de création de troupes. Ils ont tous récupéré leur statut Imperium 2 jours, 8 heures, 2 minutes et 37 secondes à présent. On connaît les équipes hein, rouge avec jaune, avec bleu qui sont ici. Et je vous le rappelle, la condition c'était soi-disant le 10-93 qui ne voulait pas de combat. On va voir ça tout de suite sur la carte. Ça sera plus simple que de vous le montrer avec le curseur. Hein. La règle qui a été prise en compte pour faire les équipes, hein, c'est simple. C'est le 10-93 qui ne voulait pas de combat en zone Eldorado, en zone 4. Donc forcément allié au 11-88. De l'autre côté, le 18-18 qui lui était très proche du 24-89. Hein. Donc le 18-18 et le 24-89 hein, et le 18-46 sont obligés d'être alliés. Donc cette zone-là n'aura pas de combat aussi. Donc pas de combat dans la zone Weiji, puisqu'ils sont alliés. Au sud, ils ne peuvent pas sortir sur cette map. De ce côté-là, sur la zone Eldorado, pas de combat non plus. Pareil, au sud, pas de combat, parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Au nord, ici, tac, si on se déplace, si on va sur la zone. Donc, on a dit Weiji, pas de combat. Au nord, pas de combat. Il faut que je m'habitue au fait qu'il n'y ait qu'une sortie. En zone Lobito, donc, ça sera la seule zone de fight au départ. On aura ce petit groupe hein, de royaumes non Imperium contre, de l'autre côté, ce petit groupe de royaumes non Imperium également. Donc en fait, on va avoir un petit choc équilibré au sud, sachant que tous les Imperium se retrouvent dans les 4 zones du nord, du milieu nord. Hein. Norbulinka de ce côté-là, Sakaka ici. Et évidemment, hein, Strasbourg, dédicace à Strasbourg et à Fingar. Donc, ça va être très très chaud. Le choc aura lieu. Il faut savoir que les portes de niveau 4 vont ouvrir. Alors que je vous dise pas de bêtises. Elles vont ouvrir dans 5 jours normalement. Donc, on est vendredi. Elles devraient ouvrir mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Je pense qu'elles vont ouvrir mardi de la semaine prochaine. Hein. Les zones de niveau San Pedro, là, les zones, ces portes-là, donc ça va être des portes de niveau 5 et pas 9. Celles de San Pedro, si je dis pas de bêtises, elles devraient ouvrir, ça fait 2 jours, elles devraient ouvrir, j'hésite, mais je dirais dans 16 ou 17 jours, si je dis pas de bêtises. Donc dans 2 semaines et demie, il y
il y a quand même beaucoup, beaucoup de temps où ça va bien, bien farmer. Et c'est là que vont vraiment avoir les combats. On sent Pedro ici, sachant que le 60 et le 49 seront juste en combat sur, et le 10-93, hein, sur les hôtels des ténèbres. Il n'y aura pas d'autres fights, regardez, il n'y a pas d'autres portes de niveau 5. Ils seront encore avec leurs alliés. Quand ils vont arriver en niveau 7, c'est là que ça va se fight. Et c'est là qu'ils pourront avoir besoin d'alliés, mais ils ne pourront pas venir les aider. Il n'y aura pas de porte, donc ils seront seuls. Et tout le monde se rencontrera en Terre du Roi. Vraiment, la seule chance pour le 10-93, selon moi, de gagner, c'est de réussir à enfermer le 60 et le 800, le 2400, le 2489. Je vais y arriver, hein, pour réussir à tenir la Terre du Roi après. Mais sinon, ça va être impossible. Sachant que je prends les paris. Prenons les pronostics. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire. Je pense que le 18-18 et le 18-46 vont enfermer leur ennemi au sud et que sur la Havane, ils vont prendre tout le terrain et toutes les portes et que le 11-88 n'arrivera pas à aller en Terre du Roi. Je vous prédis Terre du Roi, on n'aura qu'un combat très très simple, 10-93 face à tout le reste, face à tous ceux qui ont réussi à y aller. Donc le 18-46... le 18-18, le 24-89, le 19-60 et le petit groupe au sud ici de Royaume non Imperium. Évidemment, le 10-93, aussi puissant soit-il, ne peut pas tenir une telle puissance. Donnez-moi votre pronom en commentaire les amis, on verra dans 4-5 semaines qui avait raison et qui s'est trompé. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock.